Magazine Pluriel. Juliette Kamde. Madame, Monsieur, bonjour. Patrick Augustino Bouévi Lanson Bankou repose désormais à Aného, sa ville natale. Avant son inhumation, une messe funèbre a été dite ce matin à la cathédrale de Lomé. Le premier vice-président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, est décédé le 23 octobre dernier. Elles peuvent être psychologiques, verbales, économiques, physiques ou sexuelles. Les violences à l'égard des femmes. Si le 25 novembre a été retenu pour commémorer la journée internationale pour l'élimination de ces violences, c'est pourtant bien tous les jours qu'elles font de nombreuses victimes. Deux semaines de mission dans les prisons du Togo. Deux associations, Fraternité des prisons du Togo et Enfants, Foot et Développement, y ont administré des soins de santé et offert des médicaments aux détenus. Invités du journal, nous en aurons trois. Nous serons notamment avec Dr Kokou Vonon, ophtalmologiste au CHR Karatoumdé sur les maladies des yeux. Alain Kinindou, professeur titulaire de la recherche pratique émergente en technologie. Il parlera de l'intelligence artificielle. Et puis avec professeur Péwissi Atafé, directeur du laboratoire Relika, il aborde les pratiques pour promouvoir la paix. Les autres rendez-vous de ce journal magazine, les Échos du Palais, les sports et la revue de presse. Comment accélérer la dynamique d'industrialisation du continent? Le président de la République, Faure Gnania Nzimbé, et ses pairs africains définissent une nouvelle politique de haut niveau. Ils étaient réunis en sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine hier à Niamey, au Niger. Il a été question de renforcer le développement des chaînes de valeur industrielles régionales. Une autre grande préoccupation de cette rencontre, accroître la mobilisation pour l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF. Nécrologie à présent, Patrick Augustino Bouévi Lanson Bankou, premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, décédé le 23 octobre dernier, a été inhumé ce samedi dans sa ville natale à Aného. La messe d'enterrement pour le repos de son âme a eu lieu à la cathédrale de Lomé. Une présence massive des militants, des membres du gouvernement et plusieurs personnalités administratives et politiques, pas comme Johnson, y était. Son existence n'aura duré que 70 ans. Patrick Augustino Bouévi Lanson Bankou s'en est allé. Des hommages se sont succédés, commençant par la famille royale dont il est issu, en passant par celui du ministre Gilbert Bawara, qui a salué la mémoire d'un ami personnel. L'hommage de sa famille politique lui a été rendu par le président du parti Jean-Pierre Fabre, dans son costume sombre, visage pâle. C'est normal, puisqu'il vient de perdre un camarade, un ami, son compagnon de misère, selon ses propres termes. Exilé politique dès 1970, après la pourquoi pas à la conférence nationale souveraine la même année. C'est l'occasion pour lui de rejoindre sur le terrain tous ceux qui, jusque-là, étaient contraints à la lutte. Après ces différents hommages, suivirent la messe d'enterrement pour le repos de son âme. Le célébrant a tiré son homélie de l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12, a rappelé que l'homme est créé par amour. Ni la mort, ni la vie, ni les vents, ni les démons, ni la faim, ni le mal, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu.
Ils étaient là, les militants de l'ANC habillés en orange, les membres du gouvernement, des députés, des personnalités politiques et administratives. Tous ensemble, ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Pour les défunts de notre pays et de nos familles, en particulier pour notre frère, notre ami Patrick, qui vient de nous quitter, afin qu'il trouve la paix et le repos auprès du Seigneur, ensemble, prions. Après les rites d'adieu, le corps du prince P. Patrick Augustino Boisville Sonbankou fut mis au corbillard en direction de sa ville natale à Niro, où il sera inhumé au cimetière d'Adido. Hier a été commémorée la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Ces violences se présentent sous 5 formes. Il peut s'agir de violences physiques, verbales, économiques, psychologiques ou sexuelles. Des Togolais donnent leur avis sur différentes pratiques de ces violences. L'homme peut te renvoyer ou bien peut te traiter d'infidèle parce que tu n'as pas demandé son avis avant de faire la contraception. Mais dans certains cas, si tu vois que la situation est difficile, mais l'homme ne comprend pas, tu peux prendre ta responsabilité. C'est un couteau à double tranchant. Peut-être que tu as déjà 6 enfants, mais tu as demandé la contraception. L'homme a refusé. Tu ne veux pas quitter aussi le foyer. Tu peux te cacher pour faire ça. L'homme ne doit pas normalement porter la main sur sa femme. Ta femme, c'est un peu comme ta petite sœur. Donc l'homme en tant que leader, ce n'est pas une bonne chose de passer par la violence pour diriger la femme. Plutôt passer par l'amour, surtout que c'est le couple. Il faut faire preuve d'amour. Une femme qu'un homme a marié, s'il y a un problème, il faut que vous restez ensemble pour narrer ça. Ce n'est pas affaire de frapper ou bien de faire bagarre. En ce 21e siècle, c'est inadmissible de voir un homme qui dit qu'il aime sa femme battre sa femme. Ce n'est pas possible. Tout se règle dans l'amour et la paix, la patience. Un homme ne peut pas taper sa femme. S'il y a vraiment l'amour, un homme ne peut pas taper sa femme en ce 21e siècle. Non, aux violences faites aux femmes, non également aux infections sexuellement transmissibles. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, c'est le 1er décembre prochain. Le thème retenu pour la célébration de cette année, poussons pour l'égalité. Professeur Paluknam Piché, coordonnateur du CNLS-IST, fait le bilan. En termes d'avancée, le Togo a une épidémie assez stable depuis à peu près 10 ans, avec une réduction du nombre d'infections de plus de 50% entre 2010 et 2021. Actuellement, nous avons plus de 80 000 personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement antirétroviral. Et sur ces nombres, plus de 85% ont une charge virale indétectable. C'est important d'insister sur l'efficacité du traitement. Donc, le fait d'avoir une charge virale indétectable montre que le traitement marche et que ces personnes ne transmettent pas. Un bilan satisfaisant selon les organisateurs et grâce à l'appui financier et technique des partenaires. Madame Teddy Anne-Marie, présidente de l'ONG Head Up Togo. Alors, mon ONG qui s'appelle FUP Togo a apporté cette année des réactifs pour pouvoir justement soutenir la campagne de dépistage pour la journée mondiale du sida. Donc, à une petite échelle, on a pu collecter des fonds de la diaspora en France et apporter ces réactifs-là pour pouvoir justement permettre au CNLS et au gouvernement. C'est juste un appui technique, en fait, pour les aider. Professeur Pichi revient sur les motivations du choix du thème de l'année. C'est pour dire que dans la lutte contre le VIH dans les pays, notamment Togo, on doit laisser aucune population de côté. Et donc, cette égalité, c'est de s'assurer que toutes les personnes vulnérables face à l'épidémie sont prises en compte dans les programmes, sont prises en compte dans l'offre des services partout où se trouve au Togo. Et que ce soit les enfants, les jeunes, les femmes, les populations éloignées et les populations qui ont du mal à avoir accès, c'est d'offrir des services à ces populations. En tout cas, prendre disposition pour ne laisser personne de côté. Ne laisser personne de côté, donc, le lancement officiel de la journée de la lutte contre le VIH-Sida sera
à Badou ce 1er décembre au programme dépistage des enfants de 0 à 14 ans dans 25 centres sur toute l'étendue du territoire du 1er au 15 décembre 2022. Santé encore, comment améliorer celle des détenus? Les associations Fraternité des prisons du Togo et Enfants, Foot et Développement ont effectué une mission de 2 semaines dans les prisons du Togo. Cette mission consistait à traiter et à offrir des produits pharmaceutiques gratuitement aux prisonniers. Le bilan des travaux a été présenté hier à Lomé. Clarisse Tombité. Au total, 2513 détenus ont bénéficié des soins et des médicaments gratuits. La mission envisage assurer un accès permanent aux soins médicaux de qualité à tous les prisonniers togolais pour les 3 ans à venir. Le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Idrissou Akibou, salue l'initiative. Je tiens à saluer tous ces partenaires-là, Fraternité des prisons en premier, pour tout le sacrifice qu'il fait ensemble avec ses autres partenaires pour que nous puissions mieux nous porter au niveau des prisons en matière de santé. Que Dieu les bénisse afin que nous puissions davantage bénéficier de ce partenariat qui est gagnant-gagnant avec eux. Le bilan a été positif selon le président de l'association Fraternité des prisons du Togo, pasteur Anani Kodjo Martin. Depuis 2008, nous avons commencé cette mission dans les prisons en partenariat avec Umedica. Chaque année, ils viennent avec des médicaments pour nous apporter des soins dans les prisons. Et les médecins chrétiens togolais nous accompagnent dans cette tâche. D'ores et déjà, vous dis que les prisonniers sont très satisfaits. La remise des attestations aux participants, la validation du plan stratégique et la signature du mémorandum ont mis fin à cette rencontre. Des soins de santé gratuits des patients en ont bénéficié cette semaine à Kara. Il s'agit de plusieurs dizaines de personnes âgées des préfectures de Doufelgou et de la Bina souffrant de la cataracte qui ont recouvré la vue grâce à une opération chirurgicale dont elles ont bénéficié gratuitement au CHR Kara Tomde. C'est une action de 2 organisations humanitaires, Mercy Ship et l'ONG Lumière Divine. Un patient partage sa souffrance avant son intervention chirurgicale. Pour la lecture, c'est difficile. De loin, si les chiffres sont gros, je vois. Au moins à 5 mètres de loin, je peux lire. Mais plus que ça, je ne vois pas. Je vois seulement ça brille, c'est noir, ou bien c'est rouge, Des fois, ça pique. À un certain moment de l'année, ça pique. C'est comme on a mis le piment. Un matin, là, je sors, on dirait qu'il y a eu un brouillard. Il faut que je passe la main sur mes yeux avant de pouvoir voir un peu. Au champ, je n'arrive pas à distinguer les herbes et les plants. Des fois, j'arrache certains plants à la place de l'herbe. Donc, aujourd'hui, là, et si je vais en moto, je risque de tomber dans les trous. Je risque de cogner les gens. J'ai été un agent de développement rural sur le terrain. Et c'est nous qui encadrons les paysans. Entre-temps, c'est nous qui traitons les produits chimiques sur le cotonnier. Même des fois, plus de 10 hectares par jour, tu vas traiter. On n'avait pas de masque, il n'y avait rien. Je suis sûr que certains séquelles, par exemple, quand le vent change de direction, tu es obligé d'inhaler un peu. Ça va venir vers tes yeux. Tu vas inhaler aussi le produit. Nous reviendrons au courant de cette édition avec l'invité Dr Kokou Vonor sur le traitement et la prévention de la cataracte et du glaucome, 2 affections des yeux. La plateforme industrielle d'Adeticopé PIA a reçu hier un financement de IB Bank Togo. L'enveloppe qui touche 3 secteurs de PIA permettra d'accompagner les agriculteurs de la filière soja et booster la transformation des matières premières pour de meilleures productions industrielles. Alice Berthe Barandao. Plus d'un million d'agriculteurs togolais vont bénéficier du financement de IB Bank Togo. Également, Togo Organique verra son secteur boosté pour de meilleures transformations des matières premières. Le PDG de l'institution bancaire, Nabil Tahari, a souligné que la PIA est un secteur pourvoyeur d'emplois et un pilier pour le développement du Togo, d'où leur engagement à accompagner ce projet cher au gouvernement. Nabil Tahari.
AB Bank, comme acteur financier majeur de ce pays, il ne peut pas passer à côté de ce projet majeur pour le Togo. Donc c'est la raison pour laquelle nous et notre conseil d'administration n'a pas hésité une minute à accompagner PIA. C'est un financement global, donc c'est la raison pour laquelle on ne va pas citer le chiffre tout de suite, mais ça touche trois entités. Nos attentes, c'est un début. On souhaite que les prochaines campagnes, on pourra augmenter encore notre participation, bien entendu quand on verra les fruits aussi bien pour les populations, parce qu'on cherche aussi à toucher les populations qui sont au nord, dans les champs, et c'est ça ce qu'on veut vraiment voir sur le terrain. Le PDG de PIA, Tushar Kairnar, s'est dit reconforté par ce appui qui vient donner un souffle économique à la plateforme qui saura multiplier ses projets de production. Les différents directeurs généraux des secteurs concernés, à savoir Togo Soja, Singa Anoura, Togo Organique, Sudip Singa, se sont succédés pour saluer cette signature de convention de financement des projets de PIA. Écoutons le PDG Tushar. In PIA, we are in our agri value chain division. We are supporting the farmers to, we are providing them the technical services and we are assisting them. La plateforme industrielle de Ticopé a reçu ce financement-là pour pouvoir travailler avec les agriculteurs, les accompagner, mais également sécuriser le financement, sécuriser également les matières premières pour les investisseurs. En ce qui concerne Togo Soja et Togo Organique, c'est le financement de leur usine, la construction de leur usine, mais également l'achat de matières premières en vue de transformer. Donc c'est ça en fait le but de ce financement. L'administrateur général de l'autorité de coordination de PIA, commandant Sanda Idiola, a exprimé les gratitudes de l'État togolais tout en soulignant la vision du Togo en créant cette zone industrielle. La signature et l'échange des paraffeurs et la photo de famille ont mis fin à cette cérémonie. Un nouvel accident nous a été signalé ce matin sur la bretelle Glikame. Une voiture Prado et une autre RAV4 se sont violemment cognées. Nous relayons donc ces informations pour exhorter à la prudence sur la voie publique en ces périodes de fin d'année. L'année 2023, on peut le dire, est une année charnière pour le Gabon et pour cause, le pays tiendra des élections générales. L'architecture électorale, notamment les révisions électorales et les réformes se mettent en place. Ceci crée des désagréments, des tensions entre pouvoir et opposition. Édouard Sonon. Les tensions sont nées autour de la révision des listes électorales qui va démarrer bientôt avec la formation des agents. Le ministère de l'Intérieur gabonais a déjà instruit tous les gouverneurs pour le processus qui s'étendra à la diaspora. Ce lancement a mis en rage l'opposition. Elle accuse le pouvoir d'ignorer ses propositions pour une grande réforme électorale. Selon une source au ministère de l'Intérieur, si le gouvernement n'écarte pas le dialogue, ce projet de révision n'aboutira pas puisque le temps presse. Pouvoir et opposition planchent également sur la formation d'un nouveau centre gabonais d'élection CGE. Chaque camp examine le profil des candidats. Le profil du président de ce centre sera également essentiel. Il faut un technocrate, un haut cadre compétent avec une grande expérience dans la gestion administrative, quelqu'un qui soit indépendant d'esprit. Si les deux parties s'entendent sur ce profil, c'est le processus devant conduire à la bonne personne qui pose problème. Sans transition, nous passons à la rubrique invité. Le monde vit une insécurité grandissante aujourd'hui. Différents acteurs œuvrent à la recherche des moyens pour promouvoir la paix et la faire perdurer. C'est le cas notamment du laboratoire de recherche en langue, littérature, culture et civilisation anglophone qui a tenu il y a quelques jours à Lomé, à l'université de Lomé précisément, un colloque international pour la paix. La rencontre avait réuni plusieurs acteurs de la société civile et de la sécurité pour étudier les défis et envisager des moyens pour une paix durable dans nos communautés. Radio Lomé revient sur certaines recommandations de cette rencontre. Alice Berthe Baranda s'entretient avec professeur Pewissi Atafey, professeur titulaire de littérature de l'Afrique anglophone, enseignant-chercheur à l'université de Lomé.
Bonjour, monsieur Bewizi. Bonjour, madame. L'intégration, la libre circulation des personnes et des biens et les défis contemporains de paix durable dans l'espace CDAO a été le thème central de 3 jours de réflexion sur la paix. Alors, monsieur Pérezi, vous êtes un acteur infatigable de la paix. Dites-nous le constat que vous faites aujourd'hui en matière de paix dans nos communautés. Non, le constat est clair. On ne se leurre pas. La paix est menacée dans le monde. Et c'est parce que la paix est menacée dans le monde que chaque citoyen doit se sentir interpellé. Chaque citoyen devrait donc chercher à contribuer à cette consolidation ou à cette construction de la paix. La paix dans la cité, la paix dans le monde. C'est justement ça qui explique que lorsque nous regardons autour de nous dans la sous-région, nous sommes au parfum de tout ce qui se passe, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Tchad, ou que ce soit en tout cas dans la partie septentrionale de notre pays, le Togo, la paix est menacée. Ce contexte nous interpelle, nous en tant qu'enseignants-chercheurs, et donc ayant fait ce constat, nous nous sommes dit qu'il faut réfléchir, qu'il faut chercher et trouver les racines du mal et proposer quelque chose aux dirigeants, y compris nous-mêmes, puisque chacun dirige quelque chose, que ce soit à la maison, dans la famille, ou dans la commune, ou dans la préfecture. Et donc, avec les principes de paix, les maximes ou les paradigmes de paix, chacun pourra contribuer en réalisant des projets de paix durable. C'est justement ça qui explique l'organisation de cette 3e édition du colloque Littérature et Paix, cette fois-ci sur l'intégration, la libre circulation des personnes et des biens et les défis contemporains de paix dans l'espace CDAO. Donc, à vous entendre, cette rencontre a été, on peut savoir les différentes recommandations issues de ce colloque. Oui, la recommandation, c'est que le concept de sécurité et de paix n'incombe pas seulement aux militaires. La population civile a sa contribution dans cette construction ou dans la consolidation de ces réalités. Et nous ne devons même pas penser qu'il faut vivre des situations fâcheuses avant de mieux apprécier la paix. Il y a eu des témoignages, des collègues venus de Burkina Faso, venus du Mali, qui nous suppliaient en guise de témoignage pour dire « il vaut mieux ne pas expérimenter la guerre ». Il vaut mieux ne pas expérimenter ce que les gens-là ont vécu en leur temps, dans leur pays, parce que ce que nous avons déjà au Togo, il vaut mieux protéger ça. Nous sommes d'accord parce qu'en sciences humaines, nous ne faisons pas l'expérience sur l'homme avant de nous corriger. Nous savons qu'il y a des situations fâcheuses, il faut prévenir. Et donc, la recherche que nous sommes en train de faire s'inscrit dans la logique de la prévention. Mais il y a une recherche curative. Donc, c'est dans ça qu'on s'est retrouvé. Et on s'est donc dit qu'il faut éviter les frustrations. Parce que des différentes communications, il est ressorti que les frustrations sont responsables du radicalisme, de l'extrémisme violent. Que l'injustice est aussi responsable des frustrations et donc de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Et lorsque nous pensons que les autres sont des sous-hommes, alors que nous sommes tous de la même nature humaine, ça pose un problème. Donc c'est tout ça là qu'il faut éviter en amont pour ne pas tomber dans ce que les autres connaissent, parce que quand les gens sont exclus, ils se vengent. Donc c'est là justement le concept d'intégration que nous avons. Au niveau des cultures que les gens s'intègrent, au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau national que les gens s'intègrent malgré leurs différences. Voilà au plan intérieur ce qu'on entend par intégration et au plan extérieur, accepter l'autre comme un humain et comme tel. Il faut coopérer, il faut s'accepter. Nous le faisons en tant que devoir pour préserver la paix et prévenir les situations fâcheuses que les autres connaissent dans leur pays. N'avez-vous pas relevé d'autres aspects qui entravent la paix? Nous avons aussi trouvé que par rapport au vivre ensemble, il faut vraiment que chacun se sente citoyen. Être citoyen, c'est participer activement à la construction de la nation et chacun a sa partition. On ne peut pas jouer les mêmes rôles, mais on va jouer des rôles complémentaires. Vous êtes journaliste, moi je ne suis pas journaliste. Vous êtes en train de jouer votre partition, moi aussi je joue ma partition. Et au bout du rouleau, chacun trouvera satisfaction parce que chacun a contribué à la consolidation de la paix. Il s'est agi aussi de veiller au problème d'emploi, de manière à ce que les jeunes puissent trouver d'emploi. Et quand on dit les jeunes puissent trouver d'emploi, ce n'est pas que les jeunes vont croiser les bras pour que le travail vienne d'ailleurs. Il faut qu'ils acceptent de se faire former. Nous constatons que les gens se font former au rabais. Et les jeunes ne veulent plus s'investir, apprendre, développer des compétences. Le diplôme, c'est juste une preuve que vous avez été quelque part. Mais la compétence voudrait que vous prouviez effectivement sur le terrain, dès que vous êtes employé, que vous savez, vous avez la compétence. Madame, il y a beaucoup de situations. On ne va pas finir. Il y a des projets qui sont conçus sur la base des résultats. Le moment venu, on en parlera. D'accord. Alors, c'est vrai, beaucoup d'aspects ont été relevés. Alors, quel va être le suivi sur le terrain? Une chose est de dire, une autre est de vraiment appliquer ce qui est dit. Merci beaucoup, madame. Au fait, au niveau de la RELICA, nous ne nous contentons pas des résultats des recherches théoriques.
nous faisons ce qu'on appelle recherche-action. C'est-à-dire que nous identifions le problème, nous menons des réflexions sur ces problèmes, nous trouvons des résultats et ces résultats, nous les matérialisons par des projets concrets en prenant en compte la population cible comme acteur, puisque pour réaliser et réussir un projet, il faut que la population cible participe, soit actrice dans l'implémentation de ce projet-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans le processus de consolider tout ça-là sous forme de projet. Merci beaucoup, professeur Peuzi, pour cet entretien. C'est à moi de vous dire merci, madame. Après avoir consolidé la paix, nous parlons santé et nous recevons Dr Koku Vono, ophtalmologiste au CHR Kara Tomde et maître de conférence agrégé en ophtalmologie à l'université de Kara. Il est interviewé par Nathalie Kwanege. Dr Koku Vono revient sur le traitement de la cataracte, sa prévention, ainsi que sur le glaucome, une autre affection grave des yeux et qui est la deuxième cause de cécité dans nos pays. Monsieur le chirurgien en chef, au Togo, comme partout ailleurs dans le monde, la cataracte est responsable de l'aveuglement dans près de 70% des cas. Comment traitez-vous cette maladie des yeux? Le traitement de la cataracte est chirurgical. On ne traite pas la cataracte par des médicaments, des comprimés ou des collyres. C'est la chirurgie de la cataracte qui est le traitement. On n'opère pas la cataracte n'importe où, parce qu'il y a des publicités qui disent que si on va chez un herboriste, il peut opérer la cataracte. Non, la cataracte ne s'opère qu'à l'hôpital. Si quelqu'un se fait opérer la cataracte ailleurs, ça veut dire qu'il a perdu son œil, ça. C'est rien qu'à l'hôpital. Le traitement est chirurgical. Voyez. Maintenant, est-ce qu'on peut prévenir la cataracte? Alors, puisque on connaît déjà le traitement curatif. Le traitement préventif, en réalité, c'est la lutte contre le vieillissement. Comme on a dit que la première cause de la cataracte, c'est le vieillissement. Donc, c'est tout ce qui rentre dans la lutte contre le vieillissement, notamment manger équilibré, prendre, boire assez d'eau, prendre les antioxydants. Mais notre ensoleillement aussi favorise la cataracte. Donc, il faut porter des chapeaux qui puissent éviter que le soleil nous tape trop dans l'œil. Il faut porter des lunettes de protection, voyez. Donc, toutes ces choses permettent d'éviter la cataracte sénile. Et maintenant, chez l'enfant, on propose de pouvoir faire les consultations prénatales pour pouvoir détecter et traiter les infections qui, au cours de la grossesse, et pour la cataracte traumatique, par exemple, éviter les bagarres, respecter les codes de la route, les codes de sécurité au travail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est prendre soin de l'œil en général, prendre soin de sa santé pour éviter tant que ce soit possible la survenue d'une cataracte. Mais quand la cataracte arrive, la seule solution c'est de venir à l'hôpital, de se faire consulter en ophtalmologie et de se faire opérer si besoin. Docteur, qu'en est-il alors de l'utilisation des tablettes, Android et écrans télévision? Les écrans en général ne peuvent pas créer la cataracte. Ça crée d'autres et troubles, notamment les troubles liés à la surface oculaire, les troubles d'irritation de la surface oculaire, parce que l'œil reste ouvert pendant longtemps, il n'y a plus de clignement. Donc, la paupière ne bat plus souvent quand on est à l'écran, et donc il y a ce qu'on appelle une sécheresse qui peut se créer. Donc, il y a le syndrome d'irritation de la surface oculaire lié aux écrans, mais ce n'est pas ça qui sera la cause de la cataracte. L'œil, en tout état de cause, est fait pour être utilisé, pour voir. Mais maintenant, l'exposition prolongée à ces écrans va d'abord créer ce qu'on appelle une myopie par habitude. C'est-à-dire que quand un enfant le soumet à une vision de près trop longtemps, ça fait que l'enfant va développer une myopie. C'est ce qu'on a souvent en Asie. Eux, ils sont exposés aux écrans du plus longtemps. Donc, ils ont une épidémie de myopie. Donc, c'est ce qu'on conseille aux enfants. Quand ils passent un petit temps, une heure tout au plus par jour sur l'écran, après, il faut qu'ils aillent dehors pour être exposés à la lumière du soleil, pour jouer dehors, jouer loin des écrans. Ça permettra d'éviter cette myopie-là, surtout d'éviter le syndrome d'irritation de la surface oculaire lié à la lumière des écrans et lié au manque de clignement au niveau des yeux. L'autre grave maladie des yeux, c'est le glaucome. Alors, le glaucome,
c'est une maladie qui est liée à une atteinte du nerf optique, dont le principal facteur de risque est l'augmentation de la pression intraoculaire, l'augmentation de la tension oculaire. Contrairement à la cataracte, le glaucome va créer une cécité qui est irréversible. La cataracte, c'est la première cause de cécité, mais c'est une cécité réversible. Le glaucome est la deuxième cause de cécité, mais c'est une cécité irréversible. La cataracte a des noms dans nos différents dialectes, mais le glaucome, on parle seulement des tensions oculaires parce qu'elle est méconnue. On ne sait pas exactement quel nom il a dans les différents dialectes. C'est ce qui fait qu'il est sous-diagnostiqué. Chez le noir, le glaucome est plus fréquent, mais il est sous-diagnostiqué. Donc le diagnostic de glaucome, c'est un faisceau d'arguments où on va voir la tension oculaire, on va voir le nerf optique, on va faire le champ visuel et on va faire l'OCT. C'est pas simple comme la cataracte. Donc c'est tout un faisceau d'arguments et après ça, on le traite. On peut le traiter par les collyres, mais il faut savoir que le traitement est à vie. On peut le traiter aussi par la chirurgie. On peut opérer les malades où la tension n'est pas équilibrée. On peut réduire la tension. On peut aussi faire ce qu'on appelle les lasers. Un laser spécial qu'on appelle SLT, sélectif laser trabéculoplastie. Et ce laser-là aussi permet que l'évacuation de l'humeur aqueuse à l'extérieur du globe soit un peu plus accentuée pour diminuer la tension oculaire. Vous voyez? Donc le glaucome, c'est une maladie qui est assez grave, qui est fréquente dans nos milieux. Et donc, le seul conseil qu'on peut donner, c'est que chaque année, il faut que tout le monde puisse aller voir son ophtalmologue pour savoir exactement s'il y a un problème de glaucome. Parce que, contrairement à la cataracte, où quand ça commence, la personne ne commence pas à voir flou, la vision baisse. Pour le glaucome, il n'y a aucun signe, il n'y a rien du tout. Et quand les premiers signes arrivent, c'est que la maladie est déjà très, très avancée. Donc, on ne peut pas savoir. On a le glaucome, on ne sait pas. Jusqu'au jour où on ne voit plus bien, c'est-à-dire qu'on va être aveugle, ça. Donc, la seule solution, c'est que chaque année, il faut qu'au moins chaque personne aille revoir un peu son ophtalmo. L'ophtalmo va checker un peu la tension oculaire, le nerf optique, pour voir si tout va bien, pour éviter de graves problèmes après. L'exposition aux écrans peut engendrer des maux d'yeux. C'est ce que nous avons appris avec Dr. Kokou Vonor. Mais pas la cataracte. Les maux d'yeux, mais pas la cataracte. Alors, lorsque nous sommes en bonne santé et nous vivons en paix, nous pouvons mettre la machine à notre service. L'intelligence artificielle avance et intègre tous les domaines de la vie et l'Afrique ne doit pas rater cette quatrième révolution. Un projet programme a été réalisé en ce sens dans 4 pays africains pour évaluer le degré d'appropriation des nouvelles technologies sur le continent. Il ressort que plusieurs défis restent à relever pour emboîter le pas aux Occidentaux dans cette révolution. Il faut entre autres une synergie d'action entre les décideurs, les chercheurs et professionnels africains. Pour en savoir un peu plus sur ce projet programme, les actions à mener pour une intégration de l'intelligence africaine artificielle en Afrique, nous avons comme invité Alain Kiendou, professeur des universités, titulaire de la recherche pratique émergent en technologie et communication pour le développement. Il est au micro de Odette Pira. Professeur, bonjour. Bonjour. C'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est rien d'autre qu'un programme, un algorithme avancé qui a été créé pour essayer d'imiter le comportement des humains, pour essayer d'accomplir un certain nombre de tâches à la place des hommes. Donc c'est juste des calculs qui sont avancés, ce sont juste des programmes, des algorithmes, mais qui sont performants et qui permettent d'accomplir un certain nombre de tâches. Un programme que vous avez exécuté à travers un projet dans 4 pays africains, pourquoi? Oui, il s'agit du programme sur les pratiques informationnelles des acteurs de l'intelligence artificielle en Afrique. C'est un projet de recherche qui a été financé
lancé par l'Agence universitaire de la francophonie et qui a touché 4 pays africains, donc notamment le Sénégal qui a été le pays pilote, mais aussi le Congo-Brazzaville, la Tunisie et l'île Maurice. L'idée, c'est de se dire que l'intelligence artificielle est devenue un enjeu majeur, quelque chose d'important qui permet d'asseoir la souveraineté des pays, mais c'est aussi un enjeu culturel et un enjeu économique. Et l'Afrique, qui a déjà raté plusieurs révolutions, ne devrait pas rater cette nouvelle révolution qu'on appelle la 4e révolution et qui est basée sur l'intelligence artificielle, la blockchain, la fabrication 3D et le big data. Donc il faut travailler pour faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse se développer aussi en Afrique. Et pour cela, on a pensé que l'information était la clé du développement de l'intelligence artificielle. Il faut informer les gens pour qu'ils puissent se former. Et donc ce projet portait sur l'information, mais avec des objectifs bien précis, parce que nous voulions, à travers ce projet, cerner déjà les besoins d'information de ces acteurs de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ceux qui permettent de développer l'écosystème de l'intelligence artificielle en Afrique. Savoir quels sont leurs besoins et quelles sont les difficultés qu'ils ont pour accéder à l'information, quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place pour pouvoir trouver des informations et les partager entre eux. Et on a voulu savoir ça parce qu'une fois qu'on a ces informations-là, en tant que spécialiste de l'information et de la communication, on peut venir en aide de ces communautés pour leur apporter des moyens de faire de façon à ce que l'information puisse circuler de façon plus efficiente. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Alors, ce qui ressort de cette étude, c'est que ce sont des personnes assez jeunes. La personne la plus âgée a 27 ans parmi les personnes que nous avons interrogées. Généralement, c'est des personnes qui ont un niveau assez élevé, donc bac plus 4 généralement, qui sont informaticiens, spécialistes des télécommunications, qui ont fait génie civil, qui ont fait mathématiques, donc plusieurs profils également, mais qui ont pour point commun de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Ils sont bien équipés et ils ont effectivement des pratiques informationnelles qui sont basées sur un certain nombre de stratégies de veille qui mobilisent les flux RSS par exemple, ou les bases de données institutionnelles, ou un certain nombre de newsletters. Ils appartiennent à un certain nombre de communautés d'acteurs d'intelligence artificielle. Ces communautés permettent également d'échanger d'informations, de leur donner des réponses, des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais c'est des personnes aussi qui ont des besoins de recherche d'informations. Ils recherchent l'information parce qu'ils veulent monter en compétence. Ils recherchent de l'information parce qu'ils sont bloqués quelque part. Ils ont un bug informatique qu'ils veulent résoudre et ils n'y arrivent pas. Et donc, ils vont chercher sur Internet, sur un certain nombre de plateformes comme GitLab et bien d'autres, essayer de trouver des solutions pour aller encore de l'avant dans leur quête de développement. Quand on prend l'Afrique, quel est l'état des lieux au niveau du continent et par rapport au reste? L'Afrique a une marge de progression importante. Il y a un certain nombre de choses qui se font. Il y a un dynamisme qui existe. On a des inventions intéressantes dans le domaine de la santé. Par exemple, on a Ubenoi qui a été créé au Nigeria. C'est une intelligence artificielle qui permet de détecter la détresse respiratoire de l'enfant. Donc on enregistre les pleurs de l'enfant, on fait analyser ces pleurs à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle fait un diagnostic qui permet de sauver des vies. On a des applications intéressantes comme Blonde Signal au Kenya qui permet avec un smartphone de flasher une plante et de savoir si cette plante est malade ou pas. Et si cette plante est malade, on peut trouver un traitement pour pouvoir la soigner. Donc ça vient en aide aux agriculteurs, même les agriculteurs qui sont analphabètes. Des solutions comme ça, il y en a beaucoup. Par contre, ce qui manque, ce qui se pose en Afrique comme question, c'est que on a des pratiques individuelles, on a des créations individuelles, mais on n'arrive pas à trouver une dynamique collective qui devrait permettre de faire en sorte que l'intelligence artificielle vienne au secours de l'économie africaine. Donc il y a beaucoup à faire. Il faut que le gouvernement mette en place des stratégies appropriées. Et ces stratégies doivent être basées sur l'accompagnement de ces jeunes. Il faut mettre en place des structures. Il faut les former davantage. Mais aussi, il faut leur donner la matière première dont ils ont besoin. Et cette matière première leur manque souvent. La matière première en question, ce n'est pas de l'argent, ce sont les données. Et les données existent en Afrique.
Il faut juste mettre en place un dispositif qui permet de collecter des données. Les données, on les a partout, à l'hôpital, dans l'administration, à l'école, chez soi. Donc, ces informations-là sont utiles. On arrive à les capter, on va les traiter pour que ça devienne des données de qualité et on les met à la disposition des start-up, des Fab Labs qui en ont besoin pour pouvoir entraîner leur programme. C'est ce qu'il faut faire. Mais au-delà de cela, il faut aussi des équipements importants comme les data centers qui vont permettre de stocker des informations, de stocker les données en question. Et au-delà des data centers, il faut que les États s'équipent aussi des superstructures comme des supercalculateurs qui permettent de travailler sur ces données. L'intelligence artificielle, l'environnement, la santé, l'éducation, quelle importance? L'intelligence artificielle permet d'aller parfois un peu plus loin que l'homme. C'est vrai que l'humain a un regard différent, mais dans le domaine des calculs, par exemple, l'intelligence artificielle peut être plus performante que l'humain. Donc, ça permet de gagner en termes de prédiction, de faire des analyses prédictives, de mettre en place des stratégies qui sont très adaptées. En termes de santé, par exemple, on peut prédire des épidémies. Et une fois qu'on a prédit des épidémies, ça nous permet de mettre en place des moyens qui permettent de lutter contre ces épidémies-là. Dans le domaine de l'éducation, on a des applications aujourd'hui qui s'adaptent en fonction de l'enfant qui est en face. C'est-à-dire qu'on te pose un certain nombre de questions et en fonction des réponses que tu vas apporter, l'application, l'intelligence artificielle, essaie de voir quelles sont tes lacunes. Et elle va fabriquer un programme qui est adapté à toi. Et le programme qui est adapté à toi n'est pas forcément le programme qu'on va appliquer à l'autre. Donc, ça permet de faire une éducation, une formation qui est personnalisée. Mais bien entendu, il faut garder à l'esprit que ce ne sont que des outils. On ne peut pas laisser l'éducation et la santé aux mains de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une technologie qui doit être au service de l'humain et elle doit être managée par l'humain. Et pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait également un contexte qui le permette. Ce contexte, c'est quoi? C'est qu'il y ait une certaine transparence dans la vie, qu'il y ait une vie démocratique. Et qu'il y ait également une lutte contre la corruption. Et je pense que ce sont des choses qu'on oublie souvent, mais qui sont essentielles et qui peuvent permettre d'assainir la vie de tout le monde. L'intelligence artificielle, selon vous, que doivent faire les pays africains? Les pays africains ont beaucoup de choses à faire. Je pense que quand on parle des pays africains, on pense simplement au gouvernement et à l'État. Mais l'intelligence artificielle est une affaire de tous. Il faut que la société civile se mobilise autour de cet enjeu majeur. Mais cela ne veut pas dire aussi que le gouvernement n'a rien à faire là. Le gouvernement doit mettre en place des stratégies, des cadres, des structures importantes pour que la société civile puisse s'engouffrer là-dedans et faire en sorte que cela puisse avancer. Donc, le maintenant, c'est la stratégie. Et aujourd'hui, nos hommes politiques, les décideurs politiques parlent de l'intelligence artificielle, mais parfois sans en être convaincus. Donc, il faut qu'ils discutent, qu'il faut qu'il y ait des synergies entre les chercheurs que nous sommes, les scientifiques, avec les professionnels de terrain, qui sont les start-up et les inventeurs, les développeurs informatiques et les décideurs politiques. Malheureusement, dans nos pays, il y a généralement une séparation qui fait que les décideurs politiques sont entre eux, les chercheurs sont entre eux et les professionnels sont entre eux. Il faut enlever ces cloisonnements-là et faire en sorte qu'il y ait un dialogue autour de cette question de l'intelligence artificielle pour pouvoir mettre en place des stratégies qui marchent. Pour conclure, l'intelligence artificielle séduit mais fait peur. Oui, l'intelligence artificielle séduit. Elle fait peur aussi parce qu'elle est comme la langue d'Ésope. Elle est capable du meilleur et du pire. Tout dépend de ce qu'on peut lui demander de faire. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle va supplanter l'intelligence humaine. Je n'en suis pas là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont utiliser et qui utilisent déjà l'intelligence artificielle pour faire du mal. Ça a été déjà vu, des cas de racisme à travers l'intelligence artificielle qui font que dans un certain nombre d'hôpitaux aux États-Unis, les critères ont été modifiés et la sélection des malades tenait compte du critère de la race. Et donc, un nombre de personnes de race noire ont pu être rejetées, n'ont pas pu être opérées, bénéficier des soins nécessaires. Tout cela est passé par le biais de l'intelligence artificielle. Mais au-delà de cela, il y a aussi des erreurs qui ne sont pas voulues. On appelle ça des biais algorithmiques. Si on entraîne mal une intelligence artificielle, il peut y avoir des erreurs.
Et on sait par exemple que la plupart des intelligences artificielles ont du mal à reconnaître des personnes de peau sombre, par exemple. Ils vont reconnaître plus facilement des personnes de peau claire. L'intelligence artificielle va comprendre plus facilement la voix d'un homme que la voix d'une femme. Tout cela parce qu'il y a des biais qui ont été introduits au moment de la création et de l'entraînement de ces algorithmes. Professeur, merci. C'est moi qui vous remercie. Écho du palais. Dame Agnès est accusée de trafic international de drogue à haut risque. Elle a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Les faits avec Hélène Assabi. Le 4 août 2012, Dame Agnès a été interpellée à l'aéroport international Niassigbé Yadémon au moment où elle s'apprêtait à prendre un vol. Une fouille de la valise qu'elle tenait a fait ressortir que celle-ci contenait des cristaux de couleur blanchâtre soigneusement dissimulés dans la valise. Suspectée, elle a été confiée à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment pour une enquête. L'analyse des cristaux découverts a révélé qu'il s'agissait de la méthamphétamine classée comme une drogue à haut risque. Interrogée, Dame Agnès a déclaré qu'elle a été envoyée par une certaine Vera de nationalité ougandaise pour récupérer la dite drogue au Togo auprès d'un individu afin de l'acheminer vers Addis Abeba en Éthiopie. Une information judiciaire a été donc ouverte le 14 août 2012 pour trafic international de drogue à haut risque. L'inculpé au cours de son interrogatoire a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Amené devant la cour d'assises pour y être jugé, Dame Agnès a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Son avocate, Maître Adjoavi Moreira, se dit satisfaite de cette condamnation. Je dirais que je suis satisfaite dans la mesure où, comme l'avocat général l'avait dit, en fait, la peine ce serait de 10 à 20 ans. Mais finalement, nous avons obtenu 10 ans. Moi, je pense que c'est déjà bon pour nous. Ma cliente a déjà fait presque 9 ans, puisque les faits se sont produits en août 2012. Donc, je dirais qu'elle a encore un an et quelques jours, puisque nous sommes en juillet. Moi, je suis tellement satisfaite de cette décision-là. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a coopéré. Lorsque les faits se sont produits, elle a coopéré. Et elle a soutenu et elle continue par soutenir. Et nous-mêmes, nous l'avons découvert que, en fait, elle ne savait pas que sa valise contenait de la drogue. Mais dès qu'on l'a prise, elle a coopéré largement. À samedi prochain. À samedi prochain, Hélène Assabi, tout de suite les sports du football. Cinquième journée aujourd'hui du Mondial Qatar 2022. Voici les affiches de cet après-midi. La Pologne joue contre l'Arabie Saoudite. À partir de 16h, la France se mesure au Danemark. Le dernier match de ce samedi oppose l'Argentine au Mexique. C'est dès 19h. Déjà ce matin, l'Australie a dominé la Tunisie. 1-0. Revue de presse pour clôturer cette édition à la une des journaux. Le programme d'urgence pour la région des savanes, la signature d'un accord pour l'extension de la centrale photovoltaïque de Blita, le démarrage de la phase pilote de Muta et l'activité du chef de l'État, notamment sa participation au sommet de la francophonie et à l'initiative d'Accra sur l'extrémisme violent. La revue de presse, c'est avec Léontine Atogima. Sommet de l'initiative d'Accra, le Togo déterminé à endiguer le terrorisme, lit-on à la une de Temps Nouveau. L'initiative d'Accra est un mécanisme de sécurité coopératif et collaboratif entre 5 États, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, explique le messager. Fort Niassigbé et ses pairs ont renforcé les stratégies régionales de lutte contre le terrorisme à Accra, ajoute Chronique de la semaine. Parmi le renforcement des stratégies, Togo Matin annonce que le gouvernement prévoit injecter plus de 400 milliards de francs CFA dans la défense d'ici 2025. Les dépenses permettront d'acquérir des engins roulants, notamment des véhicules tactiques de combat, à savoir des chars et des véhicules blindés de transport des troupes, précise le quotidien privé. L'insécurité grandissante dans les pays africains membres de la francophonie préoccupe également l'OIF. Au dernier sommet de l'organisation, la semaine dernière, la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, dressant le bilan de son mandat écoulé, a évoqué ce phénomène qui fait partie des difficultés rencontrées. Louise Mushikiwabo rempile pour un second mandat,
titre Flambeau des démocrates. Au Grand Quotidien national, d'ajouter que la participation du chef de l'État à ce sommet témoigne de l'attachement du Togo à cette organisation à laquelle notre pays appartient depuis 1970. Togo Presse précise d'ailleurs que le Togo est le premier pays africain à accueillir la toute première représentation de l'organisation. En effet, Lomé abrite depuis 1982 le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, BRAO. C'est aussi le Togo, notamment le chef de l'État, qui est le champion du marché unique des transports aériens africains MUTA. Le président Faure Gnassingbé, en tant que président champion du MUTA, s'est engagé à assurer la réalisation d'un marché de transport aérien pleinement intégré en Afrique, lit-on dans les colonnes de l'Union pour la Patrie. Le biais hebdomadaire poursuit en indiquant qu'une étude continentale fait ressortir que la mise en œuvre du MUTA devrait générer plus de 4,2 milliards de francs CFA du PIB supplémentaire aux pays africains, ce qui pourrait entraîner une baisse de 27% sur les tarifs des billets d'avion. Autre bonne nouvelle, le gouvernement a signé un accord de financement avec Abu Dhabi Export pour l'extension de la centrale solaire de Blita. Voilà les vainqueurs relèvent qu'une fois réalisée, cette extension permettra à l'infrastructure d'alimenter plus de 220 000 foyers avec une production annuelle de 118 gigawatts par heure. Parlant d'accords de financement et de partenariat, Focus Info révèle que l'Union européenne et l'Allemagne ont annoncé une allocation financière supplémentaire pour le Togo dans le cadre du programme d'urgence pour la région des savanes. Cette aide vient s'ajouter aux différentes initiatives et mesures prises par le gouvernement pour réduire la vulnérabilité des populations résidant dans cette région. Pour finir, Ouara les vainqueurs donne une note de satisfaction au recensement général de la population et de l'habitat. Après la phase de dénombrement, s'en suivra une opération de vérification de la qualité du décompte effectuée, souligne l'audience. Cette édition s'achève. Retenez donc essentiellement que Patrick Augustino Boueville, Lanson Banco, repose depuis ce matin à Aniro, sa ville natale. Avant son inhumation, une messe funèbre a été dite à la cathédrale de Lomé. Le premier vice-président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, est décédé le 23 octobre dernier.